dans le cadre du temps fort solo, l'école participe en intervenant soit avant les pièces programmées de solo, soit juste après dans le forum. À chaque fois, c'est gratuit, donc voilà, c'est libre, entrée libre. Pour la deuxième année, on emmène un peu les étudiants plus vers tout ce qui est création. Et alors que la première année, on est plus sur le patrimoine. Et donc, dans le premier semestre, on leur propose de travailler sur deux solos, c'est-à-dire qu'ils doivent à la fois créer un solo qui fait à peu près 5 minutes, 5-7 minutes. Ils ont un tuteur, donc ils sont accompagnés par un tuteur. Ils ont un petit budget costume, donc voilà, ils doivent penser une petite pièce. Et en parallèle, ils apprennent un solo patrimonial. Donc quand je dis un solo patrimonial, c'est-à-dire c'est des solos qui datent de 1931, 1940, 1960 à peu près, qui ont été un peu des pièces maîtresses qui marquent une époque ou qui ont été déclencheurs, ça a été des moments déclencheurs d'une nouvelle corporité ou d'un nouveau rapport à la musique. Donc là, en l'occurrence, c'est un partenariat qu'on fait avec le Conservatoire de Paris. Donc c'est 5 notatrices qui sont là pendant un mois et qui sont en train de faire un master en même temps de notation, donc ce sont des expertes en la notation, qui travaillent avec 2 à 3 étudiants pour préparer justement les solos, donc on va dire 2 répertoires. Et puis en parallèle, les étudiants doivent travailler un solo de création. Donc il faut qu'ils soient en même temps interprètes d'une écriture qui est très précise. Et puis on espère auteurs avec... un objet à construire. Et voilà quoi, on est entre un peu l'actualité, c'est-à-dire ce que eux veulent ont envie de faire aujourd'hui. Avec certains, on a des vrais partis pris, d'autres c'est un peu plus timide, mais bon, c'est ça aussi l'école. Et puis ces solos qui sont très définis, les costumes sont définis, il y a des droits d'auteur, enfin c'est la musique doit être comme ça, ça doit être à tel tempo. Enfin là, on est dans la reproduction d'une chose existante. Et donc ça, c'est un peu on espère aussi que ce soit le moment où ils peuvent réutiliser toutes les corporités, tous les savoir-faire qu'ils ont traversés en première année. Et que dans le solo, ça soit un moment aussi un peu de parti pris, c'est-à-dire que c'est le moment où il faut qu'ils disent j'ai envie de faire ça. Alors pour certains, c'est difficile. Parce qu'ils ont l'impression qu'ils disent le monde entier en 5 minutes. Et puis, puis pour d'autres, bon voilà, mais c'est vrai qu'on sent la nécessité chez certains d'avoir un espace libre pour eux, où il n'y a pas un intervenant qui veut leur dire vous devez danser comme ci, vous devez comme ça. Et puis les gens qui sont plus jeunes, voilà, c'est peut-être un peu plus. Ça ne se commande pas, quoi, la nécessité. Donc soit ils ont. Soit ils l'ont, soit c'est pas forcément le moment. Mais en général, j'ai trouvé qu'ils ont. En fait, ce que je trouvais assez bien, c'est que c'est pas scolaire. Ils ont eu des partis pris. Bon, alors la présence des musiciens est très importante, mais aussi une étudiante qui travaille avec une plasticienne qui va peindre les corps, une autre qui travaille sur le déguisement et sur la monstruosité d'elle-même, qui transforme sa voix. Enfin voilà, il y a quelques prises de risques qui sont intéressantes. Et puis c'est aussi, même quand c'est un peu frais, ça a la beauté de la naïveté, quoi. Voilà. En fait, le solo, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail seul. Il faut beaucoup travailler. Et ça ne se commande pas.